Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fifo Games. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon version Ragecraft, un jeu hack qui s'inspire de l'anime. L'épisode précédent, on avait fait quoi? On avait obtenu un colossin qu'on a d'ailleurs capturé. Et aujourd'hui, on va continuer notre épisode à la suite. Parce que cet épisode s'intitule Un parfum de victoire. Pourquoi? Nous allons savoir ça bientôt. Donc, c'est parti, nous continuons. On est arrivé à Céadopol. Une odeur de parfum qu'on ressent dans l'air. D'accord. Donc, il y a le sang de Pokémon qu'on va garder. Hein, le sang de Pompidou. Oula. Là, il y a un quoi, d'accord. Il y a un psychoquake. Pourquoi pas? Si? D'accord, c'est quoi comme ça? Alors j'ai entraîné le colossal jusqu'à atteindre le niveau de mes colossins. Il faut savoir que le colossal à ce stade du jeu ne vous obéit pas. Donc il vous obéit pas, il peut s'endormir, il joue, il ne peut pas choisir avec une désirée. Donc ce qui fait que c'est très embêtant d'entraîner. Donc alors il y a quoi là? Pas de poids parfois, d'accord. On y va. C'est super. D'accord. Bon, il est pas intéressé, ça cher. Oh, ça coûte cher. Ça peut me servir. Parce que ça réduit la précision de l'ennemi. Ça peut me servir, j'en prends. Mais bon, c'est pas trop fun. Mais... Hello, je suis la patronne. Quoi? Pourquoi que les parfums les plus variés sont les parfums, tout ça c'est trop bien les parfums. Je fais non. C'est déjà dit non. Quoi? Enfin, c'est pas terrible. Les parfums éthiques, comme les autres, comme pas bien. C'est pour fun, c'est pour bon. Puis, par voilà. Là, elle est complètement énervée. Elle est énervée parce qu'on l'a dit non, c'est pas terrible. Donc là. Ah, en vrai, elle a la reine, mais bon. De la nature, et là, il dit que toute personne qui compte rentrer pour ceux qui disent, on entend des gens qui disent, ouais, le parfum c'est pas terrible et tout. Donc là, il est à peine de rentrer. Donc je demande, tu es un poison, je sais pas, donc on va pas faire grand chose. Mais là, on touche la team rentrée. C'est pas ici, test. Hey, gamin, t'en penses, c'est en train de la reine aujourd'hui? Bien que ce soit une peste, on va te montrer comment rentrer dans la reine. J'ai besoin d'un petit peu de modification de la chaîne là dans le groupe. Une meilleure habillement par exemple. Ouais, 1, 2, 3, pouf! Et voilà, on est transformé en pile. Super! Oh! C'est incroyable. Let's go! En fait, ils ont quand même autorisé à rentrer. Notre fille Ashley. On va trouver une caresse. D'accord, c'est très bien. T'as une tourage, j'en suis sûr. J'espère, tu peux venir. Voilà. Non, mais à la reine. Ok. On a pu rentrer à la reine sans problème. Là, on va défier les passeurs. Bon. T'es prêt pour l'entraînement intensif? Les caves ont. Hop. Les caves ont pas fait que c'est facilement par contre comme ça. Donc, je. Alors. Donc là. C'est parti, ben je poudre. La barre de vie elle est différente, donc pourquoi pas? Ah, oh, mais ils vont manquer parce que Pokémon plante. Ok, merci, ça c'est bien. Parce qu'en fait, ils peuvent vous empoisonner les Pokémon plantes, et donc c'est très gênant. Et ouais. Donc, ah, un Whipinel. What? Non, vous déconnez? C'est pas. C'est impossible. Waouh. Eh bien, ok, pourquoi pas? C'est pas possible. Oui, qu'attaque, donc là on a un Pokémon de type vol, on est très bien avantagé pour faire l'arène. Un Pokémon de type feu aussi, très bien avantageux, c'est pas la même chose. Niveau 33, c'est impeccable. Plus 4 en vitesse, mais c'est léger, c'est bien. D'ailleurs, oh, je vois, comme c'est. Elle s'est fait défoncer. Professeur Sion, là là là. C'est la mèche, je choisis. Alors, c'est la mèche, il a pris une attaque, vraiment très bien. Presque terrain. Wouah, mais elle sent puissant qu'on vient pour l'avant ma précieuse. Je suis une nouvelle étudiante qui s'appelle sur les
combattre des Pokémon de type plan. Donc là, la méthode devrait se rapprocher. Je coûte 3 à 36 000 Pokémon avec elle. Voilà, donc là, il a appris Flamethrower, donc lance-flamme, qui est une capacité très très puissante. Puissance 95, donc là, j'ai pas long quand même pour l'avoir. Là, c'est parti, voilà. Allez, 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 là. Voilà, 33. Est-ce que je le garde avec moi? Odish. Odish, c'est un mystère, donc ça, c'est un bon Pokémon, mais. Là, on défonce. Je peux envoyer que le singe, mais il ne m'obéit pas. Bon, après, il a que des attaques combat, donc c'est pas la bonne solution. Voilà. Flame Shower. Hein. Il l'a appelé au niveau 32, ça. Bah oui. Agloom, donc l'Agloom. En plus, c'est juste une dresseuse. Hein. Il a des Pokémon évolués, très bien. Mais bon, c'est juste une dresseuse. C'est oh, qui Ivisor. Ivisor. Ta air bizarre. Flame Thrower. Donc voilà. Donc là, on a des problèmes là avec nous. Tu. Il n'y avait pas besoin d'un canon. Non. Non, on va pas le faire évoluer, bien sûr. Il évoluera point. Voilà, c'est mieux qu'on est comme ça, hein. C'est un peu dommage qu'il faut qu'il y ait même plan, on a pas le choix. D'accord, il est oh yes. C'est une école d'entraînement pour mes filles, non. Pas de garçon autorisé. D'accord. Bizarre, plus puissant. On a 4 aussi. Ça va, les niveaux sont pas trop effrayants quand même. On a vu pire. Hein. Niveau 35. La chape de Safrania. Et je pense pas qu'elle aura des Pokémon niveau 37 ou 30. Je pense pas. Les Pokémon trop forts, c'est sûr, mais pas un niveau assez élevé. Oh boy! Quand le cadeau sera pour lui. Allez, 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 au niveau 37. Je m'en suis pas rendu compte. Non, mais tu monteras pas au niveau supérieur, non, tu ne voudras pas. Donc elle a l'air super garçon, c'est pas bon. Donc elle a. Elle a appris pas mal de choses grâce à Erika. Là, je coupe. Donc là, elle va m'envoyer acheter. Elle a appris un petit fort, je présume. Oui, t'attaques. Parfait. Je peux espérer mieux. Alors, là, là. Ah non, mais attends, c'est deux belles proutes en fait. Parfait. Voilà. J'ai besoin de plus d'éducation. Ok. Heureusement qu'on a la hache. Casseuse, encore une. Je ne sais pas où se dire. Je vais dire on demande des endroits. Ah moi j'ai pas trop compris où. Polish. Oh non, me dis pas qu'elle a un Pokémon avec elle. Un 24 avec elle. C'est beaucoup. Beaucoup. Là on va aller au guiche, au guiche et Kiflore. Hein. C'est cool.
les autres Pokémon ils servent à rien parce qu'ils lanceront pas les attaques efficaces. Et si j'envoie plus bizarre, je suis pas susceptible de me faire empoisonner, mais je peux susceptible de me faire paralyser ou me remettre. Ce qui serait assez ballot quoi. D'accord. Le suivant est Totresseux d'Erika. Au combat. Je pense qu'on a dû la croiser au magasin. Ah, un autre Pokémon. 9-9. Il ouvre un 4, ça va. Oh, il a tenu. La barre de vie est un petit peu glitchée ou je sais pas. Enfin, c'est pas très grave, mais c'est pas très grave. Plus d'étoiles. Tu es très fort. Enfin, ouais. Allez, go. La chose suivante. J'ai vu. Dans l'apprentissage ici, si tu veux te bonifier. Oh, cool. Mais quoi, Mucho, quoi? Pourquoi c'est marqué en espagnol? J'ai pas compris. Mucho quoi? Hein? Tu es Mucho quoi? Mucho Junior. Juniors. Bref, j'ai pas compris. Allez, suivant. Là, une fois qu'on aura battu toute la sœur, on va pouvoir battre le cas. Voilà, c'est parti. Le cas, il est venu bientôt. Allez, bon. Pour les cas, à fond, directement. J'ai perdu, oui, t'as perdu. Bon. Vraiment, il a aussi des boutons de qui. Je pense que c'était bon pour être. Pour être. On va prendre ici, quoi. Excuse-moi, petite fille. Mais tes cheveux, quoi, hein, ouais, attends, mais c'est pas une petite ville du tout. C'est un déguisement? Exactement. C'est le garçon qui dit tout par mon défi? Très bien, j'accepte ton défi. C'est mon. C'est une règle de l'année Pokémon. Je suis Rika, champion de Sadopole. Je vais pas faire parce que c'est quelque chose, je sais pas. Empathie avec tes frères. Sans ça, tu ne verras jamais un super passeur comme moi. On va te donner une bonne leçon. Empathie. Ok. Elle a 3 Pokémon avec elle, donc on va tanguer là. Oh, j'ai dit quoi il y a même pas 3 minutes. Je pense pas qu'elle aura des Pokémon de haut niveau. Eh bah tiens, ouf, elle est niveau 35, allez. Les autres étaient au niveau 24, et là elle t'envoie un stack de nœuds niveau 35. Ok. Toi qui vois. Mais bon, là, voilà. Ah. Alors vous, on me croit en Pokémon jaune, quoi. Oh, putain, Pokémon... Je vais me faire massacrer. Ah, il fait racine. Parce que ce Pokémon, il est très tenace. Et je pense qu'il a des potions ou quelque chose comme ça. Ah. Par contre, si je bats ce Pokémon, je gagne vraiment beaucoup d'expérience. Ça, c'est moi qui fais. Allez, tu veux me mettre. Allez, il voulait me faire parasport. Il va par ici. Et ouais, parce qu'il faut 2 pour faire parasport. Yes, déjà à moi. 622. Avec rien. Quoi? Lance-plume? Lance-plume? Oh. Lance-plume, c'est pas trop utile encore. Enfin. Baisse l'attaque quand même. Mieux j'ai de sable, quoique. Je peux peut-être le regretter, mais je sais jamais. Non, juste comme ça. On laisse comme ça. Arrêtez d'apprendre dans ce plus. On va gagner 1224. Pinal, donc là, on voit un Pokémon plan poison, donc on voit Poussiflore. Il n'est pas spécialement fort, je pense. Mais bon, il sera niveau 35 ou plus. Niveau 32. Ok, pourquoi pas. Et il va avoir mal. Allez, one shot. Ça c'est cool. C'est pas super.
Ah, le son dernier Pokémon qui est le plus fort normalement. Niveau 38, voilà. Là, on passe aux choses sérieuses. Niveau 38 Pokémon. Mais j'espère qu'il va pas être trop dur à battre. C'est bien, hein, il prend cher. Allez, ça y est, il commence à embêter avec ça. Vous savez quoi, je vais changer. Ce qu'il doit. Non, regarde les Pikachu, mais il va pas me servir à grand chose, quoi. À moins que. Je sais pas, je vais voir. Il lance Bomber, là il va avoir mal. Oh punaise, il m'a OS, il m'a OS. J'ai peur, j'ai pas envie de. Non, j'en reviens beaucoup, c'est sinon le combat va être trop dur. Avec l'attaque, il lance Bomber, ça fait mal. Puis, heureusement qu'ils ont pas de potion, de super potion. Hein. Sinon le combat serait bien plus dur que ça. Ouais, on a battu l'autre. Ouais, par contre, pourquoi on a gagné là? C'est quand même fort. Non, ça me suit évoluera point. Et voilà. Oh, il se passe un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Pokémon de talent d'un gym. Ah ah. Ouais. Plus mauvais qu'un. Ah, c'est pour ton aide, parce que. Bien qu'ils ont, on les a un peu aidés entre guillemets, ils ont fouillé dans l'arène et là ils ont en train de mettre la main sur le parfum secret, la formule du parfum secret, et ils vont détruire l'arène. Voilà. Ah, dépêchons-nous. Sortons de l'arène. Voilà. On va aller sur l'arène et on va chercher Glouti qui est encore à l'intérieur. Voilà, donc on va aller chercher. Dépêchons-nous sur Glouti. Ouais. Il ne relâche pas, il attend son heure. Il croit en toi. Oui. Piquet, ouais, enfin, il faut vraiment, quoi. Il le prend ses bras. Il le prend ses bras et puis on se barre. Et voilà, fini. Enfin, fini. J'ai plus personne. Oh, tu as ce nom, merci Sacha. Tu vas être actif, je te donne le Rainbow Page. Rainbow Badge. Badge prise. Dans ce jeu, c'est Badge prise. Je crois. Ouais, hein. Donc je rajoute les Badge prise. Et voilà. Hein? Prenez-toi. Voilà, donc une fois, c'est puissant. Et on peut dans l'arène. Parce que le feu s'éteint rapidement, hein. What the fuck? Y'a plus rien? Y'a plus de forêt? D'accord. Ah, c'est très vite en fait. D'accord, je ne savais pas. Je savais pas. J'apprends tout le temps des trucs ici, c'est fou. Bon bah écoute, on va s'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous avez vu, commenter, partager, ça me fera plaisir. Moi je vous dis ciao. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye les gens.